Shalom, shalom, soyez tous bénis dans le nom puissant de notre grand Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vous prie de prendre Ésaïe 28, verset 15. Ésaïe chapitre 28, verset 15. Je lis la parole de Dieu. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Frères et sœurs, certainement, tu le dis aussi connaissant l'histoire de ta famille, connaissant ce que tes ancêtres, tes aïeux, tes grands-parents, ton père et ta mère ont fait. Certainement, des membres de ta famille ont fait une alliance avec un esprit, avec un génie, avec une idole. Dans le livre d'Ésaïe, ces personnes disent qu'elles ont fait une alliance avec la mort. Elles ont fait un pacte avec le séjour des morts. Tu as donné ta vie au Seigneur Jésus. Mais tu es issu d'une famille qui a pratiqué ou qui pratique encore l'idolâtrie. Et cela t'affecte énormément. Cela t'épuise dans ta marche avec Dieu. Je te dis ce matin qu'il y a une solution. Je continue le verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau, et la grêle emportera le refuge de la fausseté, et les eaux inonderont l'abri du mensonge. Verset 18. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Voici ce que Dieu te dit aussi ce matin. L'alliance de ta famille avec la mort sera détruite au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le pacte de ta famille avec le séjour des morts ne subsistera pas au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma sœur, ce matin, lève-toi et déclare avec moi l'alliance de mon père avec l'eau, l'alliance de mes parents avec la mort, l'alliance de ma famille, de mon village, de mon pays, avec un esprit méchant, avec un démon, sera détruite pour toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sera détruite à partir d'aujourd'hui au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sera détruite maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le pacte de mon père, le pacte de ma famille, le pacte de mon grand-père avec un esprit, avec un agent de Satan, avec le séjour des morts, avec l'eau, avec la forêt, avec des masses, ne subsistera pas, ne subsistera plus au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toute alliance que j'ai faite consciemment, inconsciemment avec le diable à partir d'aujourd'hui est détruite au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Toute alliance qui a été faite en mon nom par qui que ce soit à partir d'aujourd'hui est détruite au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon pacte avec le diable, mon pacte avec un esprit méchant, avec une autorité satanique, aujourd'hui,
ne subsiste plus au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je suis sorti de toute alliance maléfique, de toute alliance démoniaque, de toute alliance de la sorcellerie au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, ma maison, ma postérité, ma descendance, mes enfants, mes petits-enfants sont sortis de toute alliance avec le diable au nom de Jésus. Sont délivrés pour toujours de toute alliance, de tout pacte avec Satan, avec son monde, avec ses agents, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le sang de Jésus-Christ efface mon nom, le nom de toute ma descendance, le nom de ma famille, le nom de la maison de mon père, de tout contrat avec le diable, au nom de Jésus, de toute alliance avec Satan. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen, amen, amen. C'était la sœur Marcelle Vagba.